Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo plutôt achat. Donc aujourd'hui on va acheter le Aidrun que je veux depuis un petit moment, enfin depuis l'année dernière en fait, que j'avais pas pu acheter. Bref, ce que j'avais jamais pas. Parce que j'avais pas eu assez de Starcoin, bref. Normalement, en temps normal, j'aurais jamais eu assez de Starcoin. Ouais, évidemment, je me mets là, donc il y a des gens qui passent. Enfin, j'aurais jamais eu assez de starcoins, mais dans le calendrier de l'Avent, ils ont offert 300 starcoins, donc je peux me le prendre. Et donc, je vais le faire maintenant, évidemment, toujours. En vrai, ça fait... Bah, on est le 27 décembre. Il est presque minuit, donc on est presque le 28. Ah, regarde, j'en ai marre, les bugs, les merveilleux bugs de SSO. Bref, donc ça se trouve, on pourra ouvrir le... cadeau du 28. Que ouais, dans 20 minutes, je sais pas si je serai encore là. Voilà. Du coup, on va aller l'acheter. J'ai galéré à trouver un nom, mais je me suis plus ou moins décidée. Parce que les deux noms que j'avais. Enfin, que je voulais lui donner, bah, c'était pas possible. Et je pensais. Et donc, je suis un petit peu déçue. Bref, donc le voici, on va descendre, il est vraiment genre trop mignon, genre j'aime beaucoup trop ses yeux bleus en fait, et sa robe elle est vraiment super travaillée. Voilà comment il est en version non transformée, mais maintenant qu'on peut choisir si on veut, voilà, moi je préfère le laisser comme ça, parce que je le préfère comme ça en fait. Voilà. Donc il est sur le modèle du Curly, donc ça c'est peut-être un peu le souci parce que j'aime pas trop le modèle du Curly. Enfin, quoique ça va en soi, c'est pas les allures vraiment qui me dérangent, c'était plus bah, comment il fait la robe. Enfin, je sais que c'est normal, mais moi j'aimais pas. Du coup, enfin moi j'aime pas, tout simplement. Donc j'ai préféré ne jamais m'en... enfin je préfère pas m'en acheter. Mais du coup, ce sera, je pense, le seul cheval, plus ou moins, que j'aurai sur... ce modèle là. Donc voilà, on va l'acheter tout de suite. Je pense que je déconne parce que je croyais que j'avais 909, en fait j'ai 908. C'est pour ça que je viens de bugger dans ma tête. Tout va bien. Donc on va acheter le cheval. J'ai décidé de l'appeler Ice. Merde. Ice Earth. Enfin Earth. Je sais pas comment on dit en fait. Bon, bref, je crois qu'on peut, oui c'est ça, ce qui veut dire cœur de glace, parce que je trouve ça mignon, et que bah glace tout ça, vu que c'est un cheval de Noël, bref, je trouvais ça allait bien. Alors à la base je voulais l'appeler Ice Cream, mais bah on peut pas, donc je suis vraiment déçue. C'est où le R? Normalement ça devrait se trouver là et on peut pas. Voilà, je suis très déçue. Mais c'est pas grave. Du coup on va l'acheter. C'est parti. Donc voilà, le cheval a été acheté. Je vais aller chercher l'équiper tout ça. Et je reviendrai au village pour vous en faire une revue rapide. Vous aurez pu remarquer aussi que mon Islandais est niveau 15 et tous mes derniers chevaux en fait sont... Alors tous mes chevaux là actuellement sont niveau 15 puisque pendant une semaine à peu près je me suis mis à fond à entraîner mes chevaux, je sais pas ce qui m'a pris. Donc nous revoilà au village de Noël avec du coup Ice Earth, donc le Aidrun. J'ai mis une tenue, enfin la tenue... que j'ai pas pu présenter dans la mise à jour parce qu'en fait j'ai pas bien cherché mais elle était plus bas que les autres, enfin bref, enfin c'est pas toute la tenue, par exemple bah toute la tenue de la cavalière sauf le chapeau, bah c'est pas ça, mais par contre la tenue du cheval plus le chapeau de la cavalière c'est la tenue, mais j'ai fait avec ce que j'ai parce que j'ai pas encore pu tout acheter. Mais je sais pas.
J'aime bien, mais en même temps, j'aime pas trop, donc je sais pas trop. Bref, à l'arrêt, il bouge pas vraiment. Enfin, on va passer vraiment vite fait, genre, parce que j'ai pas trop le temps. Enfin, si, j'ai le temps, mais j'ai pas, j'ai un peu la flemme de vraiment détailler. Voilà comment il recule. Je pense qu'on aura pu trouver des revues plus détaillées, genre. Déjà des allures du curly. Et du revue du headrun. Parce que moi, je l'ai fait un an après tout le monde, donc. Voilà quoi. Voici pour son reculé. Le cabré, c'est évidemment le même que le curly qui est très long. Mais qui est sympa, ça change. Donc le pas, mince le pas. Bah c'est cool. Enfin, je vais pas vraiment dire, je vais plutôt faire passer les allures comme ça vite fait. J'aime beaucoup le trot, il est trop mignon. Et je vous referai passer les allures dans sa forme non transformée pour qu'on puisse bah, l'observer aussi. Je parle pas trop parce que je sais pas trop quoi dire et j'ai pas envie de raconter de la merde non plus. Donc voilà. Très sympa. Je le trouve juste un petit peu figé à la limite. Enfin, je sais pas trop, c'est un peu bizarre. Mais ça va. Bah, comparé à l'Islandais que je montais avant, bah, y a pas photo, lui il est beaucoup mieux, hein. On va pas se le cacher, voilà. Je crois que c'est cette touche. Non, c'est pas du tout cette touche là. Je sais même plus c'est quelle touche. Ok, c'est H. Tellement je monte jamais de chevaux magiques. Je sais pas. Je crois qu'il a l'allure spéciale du curly. Donc on verra ça après, vu que j'ai oublié de la faire. Je le trouve vraiment adorable. Il est trop mignon. Juste son grand galop, j'aime un peu moins. Parce que je trouve qu'il abaisse vachement sa croupe. Mais après, ça va. Et voilà. Du coup, normalement, il a l'allure. Ah oui. Alors là, vraiment, ça va pas du tout. Enfin, c'est une espèce de tolt, mais version curly, je sais plus comment ça s'appelle. Mais vraiment, genre, c'est chelou, je trouve. Non, vraiment, c'est moche. Je suis désolée, hein, mais. J'aime pas du tout. Non, c'est pas beau. Vraiment pas. Eh bien voilà. Je pense qu'on a vu à peu près. Vu qu'on ne peut pas changer. Mince. Oh putain. Les merveilleux bugs du village. Super. Putain, mais c'est chiant, je suis encore dans le sol. Allez, hop. Bon. Un petit peu la galère. Je vais attendre exprès le cadeau. En attendant, je vais faire mon outro, tout ça. On se retrouve actuellement, maintenant, pendant que je suis en train de me reconnecter. Il est minuit
Et en fait, bah, je voyais pas le cadeau. Du coup, voilà. Et dans le chat, on m'a dit qu'il fallait ce décoreco pour pouvoir voir le cadeau. Donc c'est ce que je fais. Alors que clairement, j'avais la flemme. Pourquoi on voit le camp de Nick Stoneground quand on se coiffe? C'est pas normal. Bref. Mais comme je lui ai dit que je présenterai le cadeau, je me suis décoreco. Puisque j'ai dit que je le ferai. Et donc je le fais. Voilà. Je vais à tout prix présenter ce cadeau. Même si je sais que ça va encore être de la merde, parce qu'on a toujours de la merde de toute façon. Si je le vois pas, non, c'est bon, je le vois. J'ai peur, ça va être de la merde, je le sens. Meilleur putain de merde. Non, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas faire ça. Suis dégoûtée, vas-y, j'en ai marre. Le seul jour où je décide de vous montrer le cadeau, un meilleur vœu, genre. Vas-y, c'est nul. C'est nul. Allez, c'est bon, je démissionne, j'en ai marre. Ça me saoule. Non, mais sans déconner, quoi. Pourquoi là, il veut boire? Mais c'est tout sauf logique, en fait. Mais j'ai pas enfin, te faire boire maintenant. Parce que sinon, il va y avoir un souci, je pense. Faut que je sais pas. Non, je vais pas le faire parce que j'ai peur de casser un truc si je vais juste boire alors qu'il y a et alors qu'il veut juste boire. Non mais enfin sans déconner en fait on a genre que de la merde dans ce truc. Par contre code promotionnel ils veulent absolument pas qu'on le perde. Hein. Non mais en vrai ça peut être bien. Enfin c'est bien qu'il l'ait laissé. Du coup pour les gens qui ont ouvert le cadeau et qui souhaitent voilà pour l'utiliser sur plusieurs comptes ou je sais pas. Bref. Bon, en vrai, je me plains, mais ce matin, enfin, du coup, enfin, ce matin, non. Mais aujourd'hui, ou hier plutôt, donc le 27, on a eu un bijou. On a eu des boucles d'oreilles, enfin, voilà, bon, c'est pas non plus incroyable, hein. Mais bon, en tout cas, je tiens à dire que ce calendrier est mieux que celui de l'année dernière parce qu'on va avoir une tenue complète. Certes très long et franchement les calendriers des années passées. En tout cas moi j'ai connu les calendriers à partir de 2017. Ouais, calendrier d'avant 2017. Et ils étaient beaucoup mieux que bah, ce qu'on a maintenant, genre. De toute façon, oui, bon. Allez, passons ça. Bref, maintenant je vous laisse avec mon outro. C'est parti. Et je refilmerai au moment d'ouvrir le cadeau que je rajouterai avant. Bref. Voilà. Je pense qu'on a tout vu. Je vais faire ma miniature pendant que j'y suis. J'arrive pas à trouver un beau plan en fait. Enfin, comment je veux que ça rende? Ah bah voilà. Je voulais qu'il tente son antérieur en fait. Je sais, je suis chiante à mort. Mais là, il est BG. Je prends toujours 40 000 photos alors que je prends, enfin, je prends très souvent celles avec le filtre. Pourtant, j'en fais beaucoup sans filtre. J'en prends 40 des photos. C'est dingue. Donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour ma part, c'était vraiment cool parce que bah j'aime bien. C'est cool de jeter des chevaux, écoutez. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus. Donc je pense que je vais vous laisser avant de raconter de la merde. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour pas rater de vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye!